Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Gilles Chêne, voilà, doctorant en sciences de l'ingénieur. Votre thèse s'intitule Functionalize Macroporous Silicon. Chemi-resistant for miniaturization of sensors. Résistance chimique réalisée en silicium macroporeux fonctionnalisé pour la miniaturisation des capteurs. Et le titre vulgarisé est Intégration des semi-conducteurs poreux et fonctionnalisé pour la détection d'hydrogène. On vous écoute. Bien, donc mon titre s'appelle l'intégration des semi-conducteurs poreux fonctionnalisés aux microcapteurs de gaz. Alors on va tout de suite décortiquer ce titre un peu barbare. Tout d'abord, semi-conducteur. Un semi-conducteur, c'est un matériau qui n'est pas un conducteur électrique comme le métal, mais qui n'est pas un isolant électrique comme le plastique ou le caoutchouc. Il se situe un peu entre les deux. Et sa conductivité électrique, donc sa façon de passer ou pas l'électricité, va dépendre principalement des paramètres extérieurs comme l'illumination, l'humidité, la température ou la présence de gaz. Ce qui en fait évidemment un candidat idéal pour les capteurs de gaz. Alors pourquoi le rendre poreux ? Le gaz va principalement interagir avec la surface du semi-conducteur. Or, quand il n'est pas poreux, il y a peu de surface par rapport au volume. Une fois qu'on va commencer à le rendre poreux, donc poreux comme une éponge, le gaz va pouvoir pénétrer dans le volume et donc le rendre beaucoup plus sensible au gaz. Maintenant, nous, on travaille avec des nanopores ou des micropores. Donc, imaginez, ce sont des pores qui ont la dimension du micron ou du nanomètre, ce qui veut dire 1000 à 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Pour vous donner une idée, dans un cube nanoporeux qui fait 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, on peut avoir une surface disponible équivalente à 2 terrains de basket. Donc, on a notre semi-conducteur qui est maintenant sensible au gaz, mais qui est sensible à peu près tous les gaz. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Pour rendre la mesure plus sélective, donc sélective, ça veut dire sensible à un type de gaz, on va le fonctionnaliser. Fonctionnaliser, ça veut dire mettre un matériau dedans qui va être sensible, lui, à un type de gaz, à l'hydrogène. Pour ça, nous, on utilise le palladium. Mais imaginez, déposer du palladium à l'intérieur des pores, c'est quelque chose de très difficile, surtout quand les pores, je rappelle, ont la taille du micron ou du nanomètre. Ensuite, on a notre silicium poreux, qui est donc notre semi-conducteur poreux, pardon, qui est fonctionnalisé, très bien. Maintenant, il va falloir encore l'intégrer à des microcapteurs, pour ne pas avoir des sortes d'espèces de dispositifs qui sont utilisables au laboratoire. Et là, on travaille sur l'intégration d'électrodes. De nouveau, microcapteur veut dire microélectrode. Là, on peut voir sur la photo un microcapteur. Donc, les microélectrodes ont la taille, de nouveau, du micromètre, qu'il faut déposer sur un matériau dont la rugosité est énorme. Donc, là, on a tout le défi de ma thèse, de pouvoir intégrer des microélectrodes sur un matériau très rugueux. Donc, on a notre semi-conducteur qui est très sensible car poreux. Très sélectif car fonctionnalisé et enfin utilisable dans l'industrie car intégré à un microcapteur de gaz. Merci.